Donc, avec le renouvellement du Musée de sciences et technologies, on est extrêmement fiers d'être capable de continuer à servir la communauté de la région de la Capitale-Nationale. À tous les jours, je rencontre des gens qui parlent des trains, qui parlent de la cuisine, ou bien qui parlent dans le temps qu'on avait des petits poussins. Puis on entend les histoires, c'est comme si ça fait partie du processus de devenir un adulte dans la région de la Capitale-Nationale, c'est de passer par chez nous. Donc, c'est certain qu'on n'est pas au centre-ville, c'est certain qu'on ne bénéficie pas nécessairement directement de tous les touristes qui se présentent à Ottawa. Mais je dirais que peut-être que notre rôle est encore plus important qu'accueillir des touristes. Notre rôle est d'éduquer la prochaine génération de gens qui vivent dans la région de la Capitale-Nationale. Puis on va avoir une institution qui est capable de faire ça à merveille en novembre 2017. Donc, on a vraiment hâte de continuer à servir une communauté qui a été extrêmement loyale, extrêmement fière du musée. Puis nous, on a vraiment hâte de vous présenter la nouvelle institution plus tard en 2017.